Hello, hello mes amours, j'espère que vous allez super bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est encore un crash test puisque là j'ai découvert un produit beauté vraiment hallucinant, vraiment bizarre. C'est ceci en fait, voilà, ça se présente comme ceci. C'est le produit I Envy by Kiss et c'est en fait un tampon magique pour avoir des sourcils on fleek, magnifiques, etc. Comme sur Instagram, voilà, des très jolis sourcils. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh my god, faut absolument que tu testes ça. Faut qu'on sache vraiment si ça marche ou pas. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur, j'ai trop peur de faire des dégâts au niveau de mes sourcils parce que là ils ont été très bien épilés chez Benefit et franchement c'était juste trop cool. Je vous en parlerai très bientôt, vous allez savoir un petit peu pourquoi, etc. Mais là je me dis que j'ai vraiment très peur, mais en même temps j'ai trouvé ça tellement cute, tellement mignon et ça m'a trop intriguée, donc je me suis dit non, faut que je sache tout de suite. Donc voilà, si vous avez envie de regarder cette vidéo, mettez dès maintenant un pouce vers le haut, comme ça je ferai plein d'autres crash tests comme ça parce que je trouve ça vraiment très fun. Bref, en tout cas ce produit me fait hyper peur, je vous avoue que je suis un petit peu choquée à l'idée de le tester parce que là je sens que je vais faire un carnage sur mon visage, mais c'est pas grave, c'est pour tester, donc voilà, on est là pour ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez savoir si c'est un top ou un fail, c'est maintenant, c'est parti, tout de suite. Let's go! Donc mes amours, vous devez vous demander mais pourquoi a-t-elle eu envie de tester ce truc? Et bah tout simplement parce que j'ai trouvé ça vraiment très pratique aussi. Enfin je pense que c'est pratique, en tout cas je l'espère, même si j'y crois pas trop. Je me suis dit franchement j'en ai marre à chaque fois de faire des formes de sourcils, etc. De galérer. Donc si on a un tampon magique comme ça qui nous permet d'avoir des sourcils super jolis, ça peut être plutôt pas mal. Donc ah oui, ce que je voulais dire aussi c'est qu'il m'a coûté 15€ environ, un petit peu moins de 15€. Donc on va voir si ça vaut le coup ou pas. Franchement je sais pas, mais en tout cas j'ai adoré l'idée. Donc là pour commencer on va étudier un petit peu le packaging pour voir un petit peu ce qu'il y a écrit sur l'emballage. Donc voilà, c'est un tampon à sourcils, voilà, pour avoir des sourcils parfaits, une forme parfaite avec voilà, des sourcils fournis, etc. Apparemment il suffit juste de tamponner comme ça et on aura une belle forme, voilà, en une seconde, et des sourcils plus étoffés, beaucoup plus jolis. Et ensuite qu'est-ce qu'ils nous ont dit d'autre? Donc apparemment on a un tampon pour le sourcil droit, un tampon pour le sourcil gauche, et bien sûr on a un brow powder, donc ça veut dire vous savez, la petite poudre pour faire ses sourcils. Et derrière qu'est-ce qu'ils nous ont dit d'autre d'intéressant? Yes, c'est trop cool, on a des instructions aussi derrière. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Premièrement il faut s'assurer qu'on a appliqué un peu de primer voilà au niveau des sourcils, ou alors un petit peu de fond de teint, voilà, liquid foundation. Deuxièmement il va falloir tapoter, voilà, tamponner en fait tout simplement pour prendre un petit peu de poudre pour l'application de sourcils. Ensuite troisièmement il faut bien positionner le tampon, voilà, et ensuite on tamponne comme ceci, voilà, faut bien placer le tampon, bien déterminer son emplacement, et voilà, on presse gentiment ils nous ont dit, et enfin voilà on fait la petite touche finale, on brosse le sourcil, etc. Voilà, moi j'ai pris la teinte Ebony Natural Shape. Après il y avait une shape, une courbe un petit peu plus un petit peu plus sophistiquée, mais moi j'aime bien voilà, j'aime bien tester ça parce que je me dis que ça pourrait aller à tout le monde, hein, c'est naturel. Donc voilà, c'est parti, on va tester ça tout de suite. Bon, alors attendez, petite minute de silence, regardez-moi ce packaging trop mignon, franchement c'est trop chou, je l'ai trouvé vraiment trop cute, le design il est magnifique, franchement j'adore. Et là on a bien sûr nos petits nos petits tampons et ça fait super bizarre, regardez. Hello voilà, donc en tout cas c'est trop bizarre, franchement j'ai trouvé ça trop fun. Vous savez le matin si on n'a pas le temps de faire ses sourcils, on fait ça vite fait avant d'aller en cours, bim, on tamponne comme ça et après on a des beaux sourcils on fleek magnifiques. Ça peut nous sauver la vie si on n'a pas des formes très jolies, ou alors si on n'a pas beaucoup de sourcils et que ça se voit pas, hop on fait ça et on est tranquille. Donc voilà, en tout cas j'ai trouvé vraiment le packaging super sympa. Ça se présente comme ceci, c'est compact je trouve. Voilà, donc là vous avez bien sûr les tampons que je vous ai montré, droite, gauche, et ensuite là on a la petite marque I Envy by Kiss. Et après, waouh, regardez, donc là c'est... Il y a un miroir? Ah non, il n'y a pas de miroir, dommage. En tout cas, voilà, vous avez une poudre ici, voilà, qui est assez foncée. Moi, j'ai pris la teinte Ebony. En fait, j'avais demandé la teinte Dark Brown, mais apparemment, ils m'ont envoyé la Ebony, je sais pas pourquoi. Donc, faites un petit peu attention. Mais sinon, ouais, c'est super sympa, quoi. Donc, j'ai trop hâte de tester. Alors, c'est parti, franchement, je suis trop stressée, j'ai trop peur. Je vais faire un carnage sur mon visage. Je le sens que ça va être un fail, mais c'est pas grave, on va tester tout ça. Oh, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai trop peur de ce que je vais faire. En plus, j'ai fait une super belle forme chez Benefit. Donc là, je vous en que je vais tout bousiller, mais bon on y va. Alors ils ont dit de tamponner comme ça, hop, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout, donc on recommence, hop, je sens qu'avec ça mon sourcil droit il va pas être fait, hein. Donc on va tester cette méthode là, hop là, comme ceci, oh my god. Là je pense que c'est bon, là je pense que c'est plutôt intéressant, vous voyez, ouais, là ça a pris pas mal de poudre, donc c'est plutôt sympa. J'ai trop peur, j'ai vraiment peur, j'ai super peur. Donc voilà, je vais prendre mon miroir pour voir ça de très près, même si j'ai plein de miroirs devant moi, là je vais prendre un truc voilà, très près comme ça.
Et là, c'est parti. Donc, pour la première technique... Ah mais non, ça c'est le sourcil gauche. Oh my god, j'allais faire un carnage là déjà que c'est très mal parti. Donc, ouais, ça va être de ce côté-là. J'ai vraiment trop peur, les amis. Attendez, je remets un petit peu de poudre parce que j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Oh my god, ouais. Donc on va faire ça avec ça. Je pense que là c'est bon, je pense qu'il y en a assez. Et c'est parti, donc ce que je vais faire c'est que je vais tamponner comme ils nous ont dit. Alors ils ont dit de bien positionner le truc, j'ai trop peur. Oh, priez pour moi les amis, j'ai super super peur. Donc voilà, faut bien le positionner. Et on appuie. Voilà. Et on lâche. Oh, ok, au secours. Est-ce que vous voyez ce truc? Oh my god. Non, 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 là ça va pas du tout. Alors franchement, honnêtement, non, 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 j'allais dire j'aime bien la forme, mais c'est mort en fait, c'est mort. Oh, ah non, bah alors là c'est épais comme pas possible, c'est horrible. Ici ça déborde, on sait pas pourquoi, mais là, non, là j'ai pas de forme, là c'est juste pas possible. Donc mes amours, on va passer à l'autre côté. Imaginez, j'ai des sourcils comme ça, c'est juste pas possible. Donc ouais, là on va passer à l'autre côté. Je vais prendre mon sourcil, ouais, ça c'est bien le droit. Je fais comme ceci, donc ouais, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, attendez, j'en ai pas mis assez, vous voyez. Donc faites bien attention à en mettre suffisamment. Voilà, en tout cas ne tamponnez pas, hein. Balayez, comme ça c'est beaucoup mieux. Ok, là je pense que c'est bon. Oh, non mais sincèrement, je regarde les miroirs, là j'ai envie de... Je me suis dit, oh là là, ce produit va être trop bien et tout. Même si j'avais un petit peu peur au fond de moi, j'espérais du fond du cœur que ça fonctionne. Mais là, c'est pas possible, c'est pire qu'un fail. Donc là, je vais tester une autre technique, mes amours. Je vais appliquer ça différemment parce que je me dis que comme on n'a pas les mêmes sourcils, on n'a pas la même forme, on n'a pas la même manière non plus d'utiliser ce type de produit là. Voilà, je me dis, comme on n'a pas tous la même forme, etc., peut-être qu'on aura aussi pas tous la même manière d'utiliser ce produit là. Donc je vais tester une autre technique cette fois-ci. J'ai très très peur, toujours, hein, toujours autant. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de bien positionner ce truc un petit peu mieux que tout à l'heure. Et en fait, je vais appliquer ça progressivement, voilà, ici d'abord. Et ensuite, je vais tamponner vers la fin. Donc, je me dis que ce produit-là, même si pour moi, ça a été un fail direct, franchement, je me dis que ça peut fonctionner pour d'autres personnes et du coup, ça peut être un top. Donc, c'est parti, on teste ça, mes amours. Alors, voilà, là, je pense qu'il y a suffisamment de produits, on va pas abuser, hein. Je crois que là, le carnage, ça suffit. Donc là, pourquoi je prends ça? Il n'y a même pas de miroir dessus, n'importe quoi. D'ailleurs, c'est vraiment dommage parce que pour 15€, ce serait cool qu'il y ait un miroir. Histoire, bah, tout simplement qu'on ait un miroir en face de nous. Et puis, vous savez, si on va en cours au boulot ou je sais pas, en soirée ou je sais pas, et qu'on veut des beaux sourcils, ce serait cool d'avoir un miroir ici parce qu'on pourrait le transporter partout avec nous. Donc, bref, allez, c'est parti. Hop, on y croit. Oh là là, mais je regarde le retour écran, j'ai envie de pleurer là. Bref, donc je vais d'abord bien positionner mon truc. Alors déjà je regarde mon sourcil, c'est bon. Et là, ma tête du sourcil elle est là. Donc je tamponne un peu ici. Et ensuite je tamponne vers la fin. Wouh! Ah mais j'aime bien! Oh, mais c'est trop beau, franchement c'est super super bien. Alors mon seul regret c'est qu'il n'y ait pas une fin, vous voyez juste ici. Voilà, à ce niveau là. Genre un truc un peu plus fin, genre voilà. Mais sinon honnêtement j'aime bien. Franchement là il est beaucoup plus soft, il est beaucoup plus joli. Et là comme je vous ai dit j'ai pris la teinte naturelle. J'ai pris la forme naturelle. Mais franchement il y avait une autre forme aussi un petit peu plus mais malheureusement j'ai pas eu la bonne on dirait. Mais franchement là j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup beaucoup. Alors après par contre je trouve que mon sourcil il est plus foncé et au-dessus c'est un petit peu plus... voilà, c'est un petit peu plus clair, on dirait, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, je pense que c'est plutôt sympa. En tout cas, c'est pas... C'est beaucoup mieux que là. En tout cas, ça, c'est clair et net. Mais franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup ce côté-là. Donc maintenant, je vais vous parler comme ça. Oh my god, là, je me regarde de face et j'ai juste envie de faire une attaque cardiaque. Attention. Mais bref, en tout cas, ouais, j'aime bien ce côté-là. Regardez, je vais vous montrer parce que sinon, ça va pas être objectif. Hop là, ce côté-là. Et ce côté-là. Dites-moi celui que vous préférez, je pense que je sais lequel, mais dites-moi surtout si vous pensez que ça a marché. Ouais, je... je sais pas trop, mais bref, je reviens tout de suite pour vous faire le verdict de ce crash test complètement dingue. Voilà. Donc voilà mes amours, ça y est, je suis de retour. J'ai adoré faire ce crash test quand même. Même si le résultat n'est pas ouf de ce côté là, j'aime beaucoup beaucoup ce côté là comme vous l'avez compris. Franchement pour un petit peu moins de 15€, je trouve que ça a l'air plutôt intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment de la façon dont on va utiliser ce produit là. Moi je vous conseille vraiment de le faire progressivement, hein. Pas la peine de faire ceci comme des bourrins. Comme ils nous l'ont dit, bah c'était ça en fait. Moi j'ai vraiment appliqué ça comme il le fallait. Après ils ont dit qu'il fallait brosser, donc attendez, je vais faire le truc jusqu'au bout. Attends, Jeanne, fais le truc jusqu'au bout, hein, c'est un crash test, donc on
teste tout. Voilà, donc là j'ai pris un pinceau de chez Anastasia Beverly's et ils ont dit qu'il faut brosser comme ceci. Pour ce côté là je pense que c'est pas la peine de brosser honnêtement. Et ce que j'aime bien aussi faire c'est voilà juste ça. Et voilà, franchement j'aime bien, donc après c'est arrondi, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres formes, mais ouais, franchement là je suis plutôt satisfaite de ce côté-là, l'autre côté, n'en parlons pas, vous l'avez compris, mais en tout cas j'ai trouvé ce produit vraiment très fun, très drôle, et j'espère vraiment que vous avez adoré ce crash test, moi j'ai trop kiffé vous le faire, j'adore vous faire des crash tests. Si vous avez des produits que vous voulez que je teste, etc., directement en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce serait trop cool, si vous avez des astuces à tester, etc., dites-moi tout ça, parce que maintenant j'ai décidé de faire des vidéos, et de vous faire participer surtout, donc voilà, n'hésitez surtout pas, ce serait vraiment trop cool. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous avez adoré ma vidéo astuces Instagram que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Vous m'avez donné plein d'astuces et c'est clair que je vais toutes les faire parce que c'est juste incroyable. Donc ça arrive très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ah oui, pas bête, en fait je sais comment je vais l'utiliser moi puisque je suis pas totalement satisfaite. En fait ce que je vais faire maintenant c'est que je vais bien faire attention quand je dépose en fait le tampon. Ah, sort. Voilà, en fait je vais tamponner comme ceci et après je vais venir corriger avec, vous savez, de l'anti-cerne, etc. Comme ça, ça me permettra d'avoir une belle forme, mais de corriger ensuite, parce que là je vous avoue que faire comme ceci c'est un petit peu hard. Donc ouais, je pense que je vais garder cette forme là parce que j'aime bien l'idée, j'adore l'idée, honnêtement c'est vraiment révolutionnaire, c'est vraiment très innovant et super cool. Dites-moi si vous connaissiez, ce serait vraiment trop cool. Mais voilà, je voudrais toujours corriger après, je pense que ce sera beaucoup mieux. Bon, c'est là où je réalise que je suis en train de vous parler avec deux sourcils complètement différents. Et vous savez que les sourcils c'est vraiment à la mode, ça embellit le regard, etc. Donc voilà, là je me dis que... Je regarde dans le miroir, j'ai envie de crier. Mais bref, c'était le crash test. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut. Allez-y mes amours, mettez plein de pouces vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Allez-y, j'attends. Abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Commentez la vidéo, rejoignez-moi sur Instagram, sur Snapchat, makeup619. Envoyez-moi, voilà, vous me taguez sur toutes les astuces que vous voulez que je fasse d'Instagram, etc. Voilà, je voulais vous dire que je vous aime très fort du fond du cœur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain crash test. Bisous. Ciao. Oh my god, c'est quoi que je fais encore? Oh. Et voilà, on en met bien comme ceci. Ah, ça pique! Oh. Ah, ça pique trop!